nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime. Et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Alors chantons la gloire de Dieu pour la grandeur de ses bienfaits. Il nous les donne généreusement par son Fils très aimé. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. Oui, Dieu nous a remplis de ses bienfaits. Il nous a donné toute la sagesse et l'intelligence. Il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire ce que, dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Ce projet, Dieu voulait le réaliser au temps choisi par lui, rassembler tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre sous un seul chef, le Christ. Et dans le Christ, Dieu nous a donné notre part au salut en nous choisissant d'avance selon son projet. Il a fait tout cela parce qu'il l'a décidé et voulu. Alors nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ, chantons la gloire de Dieu. Dans le Christ, vous aussi vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qu'il a promis. Cet esprit est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Nous les posséderons quand nous serons entièrement libérés du mal. Alors, chantons la gloire de Dieu. Voici ce que j'ai appris. Vous croyez dans le Seigneur Jésus et vous aimez tous ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi, depuis que je sais cela, je dis vos noms quand je prie et sans cesse, je remercie Dieu à cause de vous. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'éclairer les yeux de votre cœur. Ainsi vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi, le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Et lui, Dieu le remplit lui-même totalement. Éphésiens, chapitre 2. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règnent entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi nous faisions tous partie de ces gens-là quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il est la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits.
En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu et parce que vous croyez. Cela ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous. Donc, personne ne peut se vanter. Oui, c'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Les Juifs portent la marque de la circoncision sur leur corps et ils aiment s'appeler les circoncis. Vous qui n'êtes pas juifs de naissance, vous ne portez pas cette marque sur votre corps et ils vous appellent les non-circoncis. Eh bien, rappelez-vous ce que vous étiez autrefois. Vous étiez sans Messie. Vous n'aviez aucun droit dans le peuple d'Israël. Vous étiez en dehors des alliances et de la promesse de Dieu. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Oui, c'est lui qui est notre paix. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui et ainsi, il a fait la paix. En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps et il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et aussi pour ceux qui étaient proches. En effet, en passant par le Christ, juifs et non-juifs, nous pouvons nous approcher du Père grâce à l'unique Esprit Saint. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Vous êtes devenu la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son lien. Chapitre 3. Moi, Paul, je suis prisonnier du Christ Jésus pour vous qui n'êtes pas juifs. Vous avez sans doute entendu parler du service que Dieu, dans sa bonté, m'a chargé d'accomplir pour vous afin de réaliser son projet. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître son mystère. Je viens de vous en parler un peu. En lisant ma lettre, vous pouvez voir combien je connais le mystère du Christ. Ce mystère, Dieu ne l'avait pas encore fait connaître aux ancêtres. Mais aujourd'hui, il vient de le faire connaître par son esprit à ses apôtres saints et à ses prophètes. Voici ce mystère. En étant unis au Christ Jésus par la bonne nouvelle, ceux qui ne sont pas juifs reçoivent en partage les mêmes biens que les juifs. Ils font partie du même corps. Ils participent à la même promesse. Dieu, dans sa bonté, m'a donné d'être serviteur de cette bonne nouvelle grâce à l'action de sa puissance. Moi, je suis le plus petit de tous les chrétiens. Pourtant, j'ai reçu ce don. Annoncer à ceux qui ne sont pas juifs la richesse très profonde du Christ. J'ai également reçu le don de montrer clairement comment Dieu accomplit ce mystère. Lui qui est le créateur de toutes choses, il avait caché en lui ce mystère depuis toujours. Alors maintenant, par l'Église, tous ceux qui ont autorité et pouvoir dans les cieux peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de mille manières
selon le projet qu'il avait fait depuis toujours. Ce projet, il l'a réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Nous sommes unis au Christ et nous croyons en lui. Nous avons donc la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est pourquoi je vous le demande. Ne vous laissez pas décourager par les souffrances que je supporte pour vous. Elles vous donnent la vraie gloire. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi vous pourrez être des chrétiens solides. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capable de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur du mystère de Dieu. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. À lui la gloire, dans l'Église et par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Éphésiens, chapitre 4. Voici ce que je vous demande avec force, moi qui suis prisonnier pour le Seigneur. Vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui unit en donne la paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit Saint. Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il agit par tous. Il habite en tous. Dieu nous a donné ses bienfaits. Mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Dans les livres saints, on lit. Quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres humains. Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres ou bien d'être prophètes. Ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés ici et là par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête. Le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. C'est pourquoi je vous dis ceci et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leurs pensées ne mènent à rien. Leur intelligence est dans la nuit et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé.
Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui